a quelques années, Philippe Etchebest s'affichait rasé de près. Échevelu. Une vidéo d'archives de l'INA dans laquelle le chef cuisinier apparaît méconnaissable à 24 ans, vient de refaire surface. Ce lundi 15 février 2021, M6 diffuse un nouvel épisode de l'émission Cauchemar en cuisine. L'occasion pour les téléspectateurs de voir Philippe Etchebest, chef étoilé et meilleur ouvrier de France, débarquer dans un établissement culinaire en perte de vitesse. Pour aider les propriétaires à améliorer l'accueil, la carte, la gestion de lieu et les plats proposés, s'il est réputé pour son franc-parler et son caractère bien trempé, Philippe Etchebest est aussi connu pour son allure unique, crâne rasé et barbe bien fournie. Pourtant, le chef de 54 ans n'a pas toujours eu cette apparence. Nos confrères de Paris Match ont mis la main sur une vidéo d'archives de l'INA, dans laquelle on peut apercevoir le juré de Top Chef avec une toute autre allure. Dans cette vidéo qui est un extrait de l'émission Télé Caroline diffusée sur France 3, et qui date de février 1990, Philippe Etchebest apparaît méconnaissable à l'âge de 24 ans. Philippe Etchebest a 24 ans, cette ancienne vidéo qui fait le buzz dans la fameuse vidéo, c'est Philippe Etchebest plutôt calme et réserve qui explique qu'il travaille comme second de Claude Longchamp, restaurant de l'hôtel Méridien à Paris. Invité de l'émission, le cuisinier qui fait en ce moment la une des médias pour ses nombreux coups de gueule, annonce qu'il a réalisé un plat typique chez les Gitans, une recette de gambas grillées, accompagnée d'une charlotte de légumes et d'une sauce au gingembre. Difficile de ne pas remarquer qu'il apparaît rasé de près, avec beaucoup de cheveux. Une apparence totalement opposée à celle qu'il affiche aujourd'hui, soit 30 ans plus tard. Par ES.